Et C'est ça y bon. est, c'est parti, nous sommes en direct. Michael, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me réjouis de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Michael et c'est samedi 20 février 2021. On se propose de vous restituer notre expérience du jour de communication, de conscience à conscience. Et Michael, va ouvrir le bal. Merci David, bonjour les amis, bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, je commence la communication de conscience à conscience un petit peu en retard, une minute. Donc, alors, moi, ce que ça se passe, c'est que je te sens, David, arriver par ma droite. Je te sens un petit peu loin, mais tu arrives par en haut à droite. Je te laisse installer. Je sens qu'il y a un petit reverb. Ok. C'est bon, tu entends, hein? Ouais. Donc tu arrives, tu viens me chercher par la droite. Je sens une grande joie à ta rencontre et j'ai l'impression que tu me prends la main en me disant, bah, viens, on va se promener. Voilà, il y a quelque chose de très joyeux comme ça. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que je vois le soleil, je vois un énorme soleil en plein milieu qui irradie, un soleil, je dirais un soleil chaud, un soleil du soir. Et je sens très fortement la présence de Christ. Et il y a, à ce moment-là, je vois aussi Jésus qui est présent sur notre gauche. Et un petit peu après, je sens qu'il y a plein d'anges qui arrivent, qui sont là. Donc je ressens, ouais, une grande joie et une grande paix. Nous sommes alors invités à nous joindre à nos amis. Nous sommes accueillis comme des frères. Donc, tous les deux, on se retrouve au milieu du soleil, côte-côte. Et j'entends qu'il y a des trompettes. Et j'entends des Alléluia. Donc à ce moment-là, nous sommes invités à nous dévêtir, à enlever notre manteau, comme si on était des pèlerins qui étions arrivés à bon port, quelque part. En tout cas, on est accueillis comme des voyageurs et à qui on offre l'hospitalité par des hôtes reconnaissants du chemin parcouru. Et j'ai la sensation que nous rentrons à la maison. Il y a quelque chose de voilà, comme après un long voyage, là on peut se poser. On peut se poser, on est accueilli. Je sens à un moment donné qu'on pourrait nous laver les pieds, par exemple, tu vois, quelque chose de très bienveillant et de très, très paisible. Ce que j'aime, ce que je ressens beaucoup, c'est la reconnaissance. Voilà, nous rentrons à la maison, nous étions attendus et pourtant nous savons que nous ne pouvons pas rester ainsi. Et là, je sens qu'un pont est créé qui lie le monde spirituel et le monde dense. Enfin, qui est créé, il y a un pont qui est là. Ça fait comme un ascenseur express que tout le monde peut prendre quand il le souhaite. Nous sommes toujours les bienvenus chez nous. Et là, il est l'heure. Je rends grâce. Je dis merci, les amis. Voilà pour moi. Ok, merci Mickaël. Alors, de mon côté, je m'installe à l'heure. Je prends un temps pour me relier plus intensément avec mon je suis. Je sens sa présence et je me relie à toi. Et je ressens tout de suite une forte puissance et me vient qu'on est en présence d'archanges. Alors, je sens l'archange Mickaël, mais probablement de nombreux archanges. Tu parlais des anges, bon, on est dans le même ton, hein. Et donc, le monde archangélique nous entoure, en tout cas. Donc, genre une grande puissance. Et puis, je sens que cette puissance est ascensionnelle. On s'élève, notre conscience s'élève.
Et on encadre un peu la terre, on est un peu autour de la terre, et on s'interroge sur l'action à mener. Et moi, ce qui est dans ma conscience en ce moment, ce matin, là, je suis allé faire au marché de la ville à côté de chez moi, et je suis toujours stupéfait de voir les gens avec des masques partout et en extérieur. Et je dis, mais comment on va faire, comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller les humains? Ok, donc bon, c'est assez présent dans ma conscience. Et donc, bon, je n'ai pas forcément la nature de l'action. Et à ce moment-là, je me sens aussi très relié à mon carrelage qui est couleur miel et qui a une forme un peu nid d'abeille. Effectivement, les plaques de cire des abeilles. Et donc, je me sens relié aux abeilles. Et là, donc on est un petit peu là tous les deux dans nos corps vibratoires et on pourrait dire on est en phase avec l'égrégore des abeilles de toute la planète. Elle serait la reine des reines des abeilles. Et en fait, on a une collaboration à mener ensemble. Et elles nous transmettent de l'information comme elles sont vraiment en phase avec la Terre et son évolution actuellement. Et elles sont aussi en phase avec des nouveaux, on pourrait dire, des nouvelles manières de construire. Et donc, elles nous donnent des clés de construction. Et nous, quelque part, donc je dis, mais nous, qu'est-ce qu'on en vous apporte? Et leur besoin, c'est que des humains les reconnaissent comme servantes du Christ. Et là, je sens la présence du Christ. Et ben nous, notre fonction, c'est de reconnaître... les abeilles, mais après l'ensemble du monde animal, comme aussi, mais particulièrement les abeilles, en l'occurrence, comme vraiment participant à l'évolution des êtres spirituels. Ah, ça a coupé un peu. Je te vois plus, Michael. Hop, ça y est, c'est revenu. Donc voilà, qu'elle participe beaucoup à l'évolution et qu'on peut se relier à elle. Et donc, nous, notre fonction, c'est de les reconnaître. Donc, ça, c'était très beau. Je chantais très fortement la présence du Christ. Et puis, il y avait une action. En même temps que j'étais en lien avec les abeilles, je sentais que ça faisait des actions dans les organes de mon corps. J'étais en contact avec mes reins, qui étaient assez présents, mon estomac, mon ventre, qui montaient un peu en température. Et je sens que les nouveaux matériaux qu'elles nous proposent, c'est aussi des nouveaux matériaux d'organisation de nos propres corps, en fait. Je suis relié aussi à ton expérience actuelle d'alimentation par l'esprit. Et donc, bon, voilà, je sens que tout ça, c'est lié. Je suis donc aussi relié au nectar. Tu en as partagé, je crois, hier dans ton message. Enfin, mais vraiment à cette nourriture que nous apportent les abeilles, mais de manière subtile aussi. Et donc, l'importance de se relier à elles. Voilà, je sens que ça se termine comme ça. J'ai beaucoup de chaleur dans mon corps, beaucoup de présence, et c'est très agréable. Voilà. Et au-delà des abeilles, après me viennent tous les animaux, en fait. Et comme quoi, nous, les humains, il est hyper important de reconnaître les animaux dans leur dimension spirituelle et dans leur participation à l'évolution aussi. Et que de fait, ils ont aussi de l'information à nous donner pour que nous, on avance sur notre... propre évolution. En fait. Ouais, voilà pour moi aujourd'hui. Tu as envie de rajouter peut-être quelque chose, Michael, ou c'est bon ou... Non, ben ça me parle bien, mais oui, les abeilles. J'étais assez en présence des abeilles aussi dans ces jours-ci. Et c'est curieux parce que quand tu parlais des abeilles, dans le soleil que je voyais, la couleur couchée de soleil, pourtant, ce n'est pas venu à ma conscience, mais c'est comme si, justement, ça parlait aussi de la conscience des abeilles. C'est comme là, quand je t'entends, je vois, il est très présent ce soleil. Et je ne sais plus trop si c'est un soleil, si c'est une cellule, justement, de cire, si c'est du miel. Il y a quelque chose qui est très similaire à ce niveau-là. Et quand tu parlais de l'archange. Aussi, quand j'ai senti Jésus, je sentais aussi l'archange, Michael était aussi présent. Super. Oui, il y avait quelque chose de très solaire dans la guidance pour moi aussi.
dans la communication du jour. Bon, bah super, tout ça, c'est une belle action menée. Je vous souhaite à tous une belle écoute, de bons petits commentaires pour ceux qui le souhaitent. C'est toujours agréable à découvrir, à lire, à répondre. Et puis, voilà, moi, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon dimanche, et je vous retrouverai avec joie lundi en compagnie de Marie-Odile. Voilà, Michael, bonne journée aussi. Merci, bon week-end à vous tous.